Et quelle absurdité, finalement, dire du peuple français qui est constitué depuis 14 siècles qu'il aurait besoin d'une constitution. Quelle absurdité! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Le livre est une arme, petit message rapide. Avant d'entrer dans le vif de la chronique, abonnez-vous à la chaîne de secours Le livre est une arme qui était écrite ci-dessous. Il est possible que j'y republie les vidéos censurées dont je modifierai quelque peu les titres, mais surtout je tâcherai, j'essaierai, je m'aventurerai dans la publication de la vidéo 38C, les propos contre la communauté organisée, avec pour thème les religieux. Bien sûr, c'est la vidéo 38D qui m'intéresserait, qui m'intéressera le plus et qui devrait être consacrée, si tout va bien, au top 20 de ces propos. Allez, chronique 41 maintenant, Louis de Bonald, considération sur la Révolution française. Nous voilà là en possession d'un livre magnifique, extrêmement bien écrit, qui est en réalité une réponse cinglante, une mise au point mortifiante à la suite du livre de la baronne de Stel en 1818, intitulé « Considération sur les principaux événements de la Révolution française ». Posons de suite le décor. Madame de Stel-Holstein, issue d'une famille protestante considérablement fortunée. Son père n'est d'autre que Jacques Necker, le monsieur des finances sous Louis XVI, banquier genevois peu recommandable, si l'on peut dire. Pour faire court, la baronne de Stel écrivit un livre vantant les mérites de la Révolution française, portant au pinacle ses bienfaits pour le peuple de France, qui serait désormais enfin libre. Louis de Bonald, vicomte catholique contre-révolutionnaire, traditionnaliste, sorte de sociologue avant la lettre, se maintient comme l'exact opposé idéologique de la baronne de Stel. Elle affirme sans raisonner, claironne-t-il, donnant ainsi le ton à notre chronique. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. L'essentiel, Louis de Bonald ne s'embarrasse pas du politiquement correct occidental du XXIe siècle, dès le départ. Non, non. Là, on parle sérieusement. Les intellectuels douillets sont priés de rester à la porte de leurs émotions. D'emblée, Madame de Stel se fait houspiller, satiriser. Les coups d'argument boutoir de Bonald font mouche. D'abord, sur la nature de la femme, par cette remarque acerbe distillée. C'est faire de la politique comme si elle faisait de l'amour, ou s'exaltait sur les chefs-d'œuvre des arts avec leur imagination et surtout avec leurs émotions, peut-être aussi avec des inspirations, car les femmes, circonscrites par la nature dans le cercle étroit des soins domestiques, ou la plupart, quand elles en sortent, livrées à la dissipation, ne parlent guère de politique que par oui-dire. Mais que fait donc le ministère de la Femme? Madame Bornstein, peut-être quelque chose à dire là-dessus? Devrions-nous censurer tous les écrits de Louis de Bonald? Bref, ce que nous suggère subtilement Louis de Bonald, c'est que la femme embrasse, que dis-je, elle fait l'amour avec l'idéologie ambiante dominante. Madame de Stel ne fait pas exception. Son livre et sa pensée réformiste véhiculent l'idéologie des puissants de l'époque. La démocratie et le protestantisme, symbolisés par Luther et Voltaire, pardon, soit l'alliance naturelle d'une certaine forme de gouvernement avec une certaine forme de culte. Entrons maintenant dans les détails de la Révolution. Alors, selon Madame de Stel, la Révolution française était inéluctable. Le peuple français ne jurait que par sa liberté et par l'indispensable Constitution. Anglaise, précisons-le, évidemment. La Constitution doit être et ne peut qu'être anglaise. Louis de Bonald en sourit presque devant tant d'inepties. Agiter le peuple avant de s'en servir, c'est un peu le propos qu'il tient pour dénoncer les malversations politiques des libéraux qui semèrent le désordre dans la société, qui financèrent et diffusèrent de nombreux ouvrages impies et séditieux, puis apparurent in fine comme des sauveurs avec leur constitution importée des Anglais.
Pourtant, la constitution anglaise n'avait-elle pas fait de ce peuple un peuple morose, mécontent et égoïste, alors que les lois soi-disant oppressives de la France avaient fait de ce peuple un peuple aimable, aimant et communicatif? L'anglais cherche à quitter son pays, pas le français. Les riches anglais débarquaient en France, et Madame de Staël, elle, étonnamment, y restait. Et quelle absurdité, finalement, dire du peuple français qui est constitué depuis 14 siècles, qu'il aurait besoin d'une constitution. Quelle absurdité! La vérité est que les libéraux, et cela rejoint notre dernière vidéo 39 tirée du livre de Bernanos, les libéraux se sont attaqués à ce que les Français avaient su créer depuis tant de siècles, leurs vertus. S'attaquer aux vertus du peuple français, c'est lui enlever sa liberté. L'usure, l'ivrognerie, la débauche éclose sous la Révolution, ou juste avant, pour pousser le peuple à des désordres allant à l'encontre de ses habitudes, de ses affections, de ses appétences, de ses vertus. Car la France avait la royauté, une royauté ancrée, masculine et surtout indépendante, c'est-à-dire un pouvoir constitué. Une justice constituée aussi avec ses magistrats et leurs devoirs politiques de conseil. Une religion constituée aussi avec ses docteurs et orateurs chrétiens. Une nation constituée en trois ordres complémentaires. La royauté, la justice et la religion constituent une nation, donnent vie à une nation, nourrissent une nation. Voilà la signification première du terme constitution. Et c'est cette indépendance-là qui est la cible des libéraux protestants anglo-saxons. Autre désaccord majeur avec Madame de Staël au sujet de la noblesse. Madame de Staël, c'est un peu l'ancêtre du manuel scolaire d'histoire d'aujourd'hui. Elle enfile les perles du discours dominant éculé avec un aplomb déjà tout britannique. La méchante noblesse. Louis de Bonald rappelle qu'un noble français a pour vocation de servir la nation. Il jouait un peu le rôle de ce que nous appellerions aujourd'hui les hauts fonctionnaires. Sauf que les nobles, eux, à leur époque, étaient fidèles et servaient le peuple, principalement dans la justice et la force. Déjà, les nobles n'avaient pas le droit de commercer, pas le droit de s'enrichir, pas le droit non plus de se plaindre auprès du roi, par courrier, contrairement au reste de la population. En fait, l'anoblissement, et effacez tout de suite cela de votre esprit si tel était le cas, l'anoblissement n'est pas un privilège social. Ça, c'est une vision matérialiste actuelle. L'anoblissement demeurait une élévation, certes, mais une élévation morale, c'est-à-dire servir le public dans les professions publiques de la justice et de la force. Que celui qui veut être au-dessus des autres ne soit que leur serviteur, disait l'évangile de Matthieu. Servir, c'est donc se départir du langage de la passion, se détourner des richesses, soit l'inverse de ce qui leur est reproché par les libéraux, qui, eux, ne prônent que l'élévation matérielle. L'idée des libéraux, la pensée des libéraux, la tactique des libéraux et de leur porte-voix, Madame de Staël, apparaît comme subtile. Elle est de briser l'harmonie de la société française en transformant la noblesse en une sorte de patriarcat qui exercerait. Et qui exercerait sur qui, me direz-vous? Eh bien, sur des individus, comme en Angleterre, comme dans les parfaites républiques. Démembrer la noblesse, c'est démembrer la famille, puisque l'anoblissement valait pour tous ses membres. Le père travaillait pour ses enfants dans un vrai esprit de famille, une vraie cohésion. En Angleterre, seul l'aîné peut passer dans l'ordre politique, et les intérêts des cadets sont souvent contraires à ceux de l'aîné. En clair, tu ne sors pas de ton état. En France, toute la famille pouvait, par son travail, s'élever jusqu'à la noblesse. Pour cela, il fallait obtenir reconnaissance, soit une reconnaissance du peuple, par exemple après avoir créé une industrie prospère, un commerce florissant, honnête et respectueux des clients, sans tâches et de qualité. Soit par une reconnaissance du roi, généralement durant les périodes de guerre ou de crise, le roi anoblit les courageux. Mais ce que Louis de Bonald souhaite mettre en exergue, c'est cette différence du pouvoir entre la France et l'Angleterre. En monarchie française, écoutez bien, c'est la partie la plus brillante selon moi. En monarchie française, le pouvoir est indépendant des sujets dont l'obéissance est active. En monarchie république anglaise,
Le pouvoir est dépendant de ses sujets dont l'obéissance est passive. En fait, toute la subtilité est là, depuis des siècles. Subtilité qui a scintillé encore ces dernières semaines au moment des élections présidentielles. Schématisons pour que vous compreniez mieux. La République donne l'illusion du pouvoir au peuple à travers le vote et le choix de leurs dirigeants. Et après cela, plus rien. Plus rien pendant 4 ans, 5 ans, 7 ans avant. D'où l'idée de surmédiatiser les élections histoire de faire croire à une responsabilité, à une liberté, à une force de l'électeur. Alors que dans un pouvoir indépendant de ses sujets, le roi fait les lois sans pression excessive des organes extérieurs. Il a des conseils, certes, mais pas de pression de coterie quelconque. La pire chose qui puisse arriver est un mauvais roi. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver, un mauvais roi. Mais son règne sera limité dans le temps. Alors que dans un pouvoir dépendant, au contraire, le mal est sans remède, puisqu'il est entré de l'extérieur et n'en sortira pas. Le mal s'ancre, le mal gangrène. Parlons de l'Angleterre maintenant, cette chère Angleterre. Pour Madame de Staël, le peuple anglais, c'est le plus brillant, le plus évolué, le plus civilisé. Bref, c'est le peuple élu. Ben oui, c'est logique. Le meilleur système politique au monde ne peut qu'engendrer le peuple le plus intelligent, le peuple de Dieu. Sauf que les faits sont têtus. En Angleterre, étaient commis à l'époque 20 fois plus de crimes capitaux qu'en France. 20 fois, au point même que ces malades mentaux, ces dégénérés, étaient expédiés manu militari sur le territoire américain, terre anglaise aux confins. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'on ne désirait pas trop effrayer la population avec des exécutions quotidiennes de malades mentaux, de dégénérés, de criminels. Et que dire de la politique extérieure des Anglais? Leur traitement des Irlandais, par exemple. Louis de Bonald rappelle que ces Anglais qui vantent tant l'indépendance s'en vont imposer leur délire philosophique aux autres, comme ils le firent en France, en ruinant les principes religieux et politiques qui faisaient sa force. Et Louis de Bonald creuse encore sa réflexion. Toutes ces grandes admirations pour la constitution anglaise, tout ce zèle si ardent ne poursuit qu'une seule finalité. La destruction du catholicisme. Car ne pouvant attaquer de front le catholicisme défendu par tout un peuple, il fallait changer de gouvernement, il fallait changer de gouvernance, de système politique, car un gouvernement mène irrémédiablement à une religion populaire, dans le sens négatif du terme ici, hein, c'est-à-dire non élévatrice. Et cette religion populaire, c'est le protestantisme. Seul le protestantisme peut mener à la démocratie. Terminons avec les libertés fausses qui sont perpétrées par Madame de Staël au sujet des libertés sans suspense aucun. Donc, l'Angleterre est le pays des droits, le pays le plus libre auquel la France devrait fortement s'inspirer. Vous avez compris la ritournelle. Louis de Bonald, encore une fois, s'insurge. Qu'est-ce qu'un peuple libre? Un peuple libre, c'est un peuple qui consent lui-même ses lois. Des lois auxquelles il obéit sans sourciller, naturellement. Depuis des siècles, des lois ratifiées et re-ratifiées, des lois ancrées, devenues une culture, devenues une tradition. Et en cela, la France est totalement libre. Seulement pour vendre son Angleterre, Madame de Staël va sortir de son chapeau de traîtresse, si on peut dire, de nouvelles lois. Comme si elle déterminait une avancée civilisationnelle. Des nouvelles lois anglaises, vous l'avez deviné. Par exemple, la liberté de la presse. Oh, quel génie, la liberté de la presse. Encore aujourd'hui, on nous saoule avec la liberté de la presse. C'était comme si n'importe quel homme, n'importe quel journaliste ne parle que de ça. C'est insupportable, la liberté de la presse. Dès qu'il y a un journaliste touché quelque part, la liberté de la presse. Mais quel progressisme typiquement anglo-saxon. De Bonald rétorque que ça ne peut pas être une liberté. Que ce n'est une liberté que pour le petit nombre de personnes qui écrivent. Ce n'est donc pas une liberté, c'est un privilège. Autre exemple, le droit de voter, alors que cela ne représente que la servitude du peuple. Donc encore des droits qui nous sont vantés, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des droits. En réalité, le droit le plus élémentaire, le seul droit qui tienne, c'est celui de faire vivre sa famille, de jouir du fruit de ses labeurs. Et nous avions vu qu'en France, l'anoblissement était possible et venait récompenser des années de bons services rendus. Des années de travail acharné. Bref, les Français étaient politiquement égaux et l'admissibilité à tous les emplois était garantie. Louis de Bonald
dresse donc un bilan à l'opposé même du peuple français opprimé que décrivit Madame de Staël et que la Révolution vint sauver. Cette Madame de Staël eut besoin de s'inventer, de s'imaginer une société pour justifier la révolution libérale sanglante qu'elle attendait, qu'elle admira depuis son balcon. Allons, au-delà du livre, ayons une réflexion plus large quant aux écrits de Louis de Bonald. Alors ce cher Louis ne le dit pas explicitement car ce n'était pas la finalité du livre. Mais la Révolution française demeurait une révolution, désolé de rappeler l'évidence, anti-catholique. Nous l'avons vu dans notre chronique 35, les protestants gagnèrent en pouvoir politique et déversèrent leur haine du catholicisme. Devant leur reconnaissance entre guillemets, leur victimisation permanente n'avait plus lieu d'être. Et c'est la franc-maçonnerie qui reprit le flambeau de l'anticatholicisme comme un prolongement logique du protestantisme grâce à l'idéologie du libéralisme. Il faut bien avoir en tête que la Révolution ne se fit point au nom du libéralisme, comme on le lit trop souvent, au nom des Lumières. Tout cela n'est qu'un appât pour le peuple, un prosélytisme poussé, une publicité mensongère afin d'endormir et d'endoctriner le peuple. On martèle à tout vent le concept de liberté. Certes, le libéralisme permit de mettre à mal les idées traditionnalistes issues de la noblesse. Cependant, ce sont surtout les idées maçonniques, les idées humanistes qui s'imposèrent, comme l'imposition de la méthode cartésienne. La dimension sacrée de la royauté n'est plus comprise. C'est donc toute une société qui s'en va. Comme l'imposition d'une nouvelle conception de l'homme, qui n'est plus dorénavant une créature de Dieu, mais une machine aux intérêts égoïstes à satisfaire. Et comme enfin l'imposition d'une conception individualiste de la société. L'homme ne s'inscrit plus dans la collectivité. L'homme n'est plus un animal politique. La franc-maçonnerie et l'idéologie humaniste prirent donc le pouvoir. Camille Dreyfus, membre du Grand Orient, dira d'ailleurs en résumé, c'est une phrase assez éloquente, « La franc-maçonnerie prépare les solutions que la démocratie fait triompher. » Une citation synthèse en quelque sorte. Et l'on érigea en 1793, quelques mois avant la profanation des corps dans la basilique de Saint-Denis, lire par exemple le rapport de Dom Poirier, l'on érigea la statue de la déesse raison, la déesse Isis, sur la place de la Bastille. Madame de Staël, donc, finalement, symbolise parfaitement cette passation de pouvoir, ce prolongement protestant vers la franc-maçonnerie. Provenant d'une famille protestante richissime, elle fricote par la suite avec l'occultisme, puis avec les pères maçons fondateurs des États-Unis comme Hamilton ou Franklin. Les dégâts de la Révolution française y sont innombrables. Dans l'organisation de la société, dans l'art, dans l'agencement des rues, tout. Tout est toujours avec la même et unique idée, la destruction de l'harmonie. Mais pour conclure, rappelons l'évidence et surtout allumons quelque chose en vous. C'était une attaque contre Dieu et contre l'Église. La déclaration des droits de l'homme est une déclaration de guerre à l'autorité. L'autorité naturelle issue des principes religieux et même l'autorité du Père. Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation, stipule la déclaration. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. À ce titre donc, l'Église est soumise à la Constitution civile. En 1790, les fidèles élisent dorénavant les curés et les évêques, outrepassant les pouvoirs du pape. Les églises sont soumises maintenant à la République, pendant que dans le même temps, on affranchissait la synagogue. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est. D'arrêter. N'oubliez pas de vous abonner et de nous aimer. Chevalier,